Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabien, j'espère que tout bien et je vous retrouve pour la cinquième partie, mais déjà la cinquième, de la carrière de AJ Styles, World Heavyweight Champion de 2010. Sur TNT, il est nouveau sur un an 2009, il participe à un match de Fight for Way face à Sting, Hernandez et Matt Morgan, et championnat de la TNA, Kurt Angle. Il remporte son premier titre champion du monde poids lourd de la TNA. Il y a Bonhomme Glory 2009, il affronte Sting pour le titre et gagne. Et il devient la première personne à battre Sting à Bonhomme Glory. Puis deux semaines de suite, il se fait attaquer par des personnes masquées. Il soupçonne de Samoa Joe, Christopher Daniels. Il affronte ses deux derniers Turning Point pour son titre et gagne. Mais et Daniels devient de plus en plus jaloux de AJ Styles et fait un U-turn. Dans The Final Resolution 2009, il conserve son titre face à Daniels. Le début de 2010 est marqué par plusieurs défenses de son titre de champion du monde face à Kurt Angle, notamment lors du TNA Impact, exception du 4 janvier ou au main event du TNA Genesis 2010, à l'occasion du Kay Reese par ailleurs à Intern sous l'impulsion de son nouveau mentor Ric Flair. En gagnant, après une attaque illégale contre Kurt Angle lors du show du 21 janvier, il conserve encore sa ceinture toujours contre Kurt Angle à la suite d'une victoire par audion le Montreal Screwjob, où l'arbitre lui fait un combat. Dès que Styles a réalisé un angle lock, une prise de soumission normalement dévolue à Kurt Angle. À son adversaire, alors que ce dernier ne devait pourtant pas abandonner. Il défend son championnat lors de Against All Odds contre Samoa Joe, qui utilise son droit de championnat. Il conserve encore sa nature et D'Angelo Di Nero l'affrontera à Lockdown lors de l'impact du 19 février avec son mentor Ric Flair. Il va s'attaquer à The Pope la semaine suivante. Il attaque à Pitts après sa victoire contre Desmond Wolfe. Hogan arrive et annonce que le 8 mars, Hogan et Abyss affronteront AJ Styles et Ric Flair lors de l'impact du 4 mars et conservation de son titre entre D'Angelo Di Nero, Desmond Wolfe et Abyss. Une bagarre éclate après le match. Lors de l'impact du 13 mars, il affronte Jeff Hardy dans un match sans enjeu qui perd. À la fin du match, Ric Flair intervient et assène un coup de chaise à Jeff Hardy puis Abyss. Mais ce dernier attaque. Ric Flair repart à gorge et vit son choc système sur la rampe d'acier, rampe d'entrée et trouve la rampe. Le 19 avril, il perd son titre contre Rob Van Dam. À sa perte du titre, il devient TNA World Heavyweight Champion ayant le plus long règne de l'histoire. Lors de Sacrifice 2010, il est défait par Rob Van Dam qui conserve son titre. Et voilà, maintenant suit la cinquième partie de la carrière de AJ Styles. Cette vidéo vous aura plu, de mettre un max de j'aime, un max de commentaires. Vous avez essayé, les vidéos sont courtes, mais bon, je ne peux pas faire mieux que ça, mais bon. Si vous avez pu, mettre un max de commentaires sur ma prochaine vidéo. Bonjour à tous.